Yo tout le monde, c'est Kadan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale car, eh oui, aujourd'hui, nous allons engager le dernier DJ sur la liste des DJ qu'on peut engager. Et donc, aujourd'hui, bah, je vous laisse même pas deviner, hein, vous devez le savoir, c'est Black Madonna. Donc, c'est parti pour voir la mission un peu. Donc, voilà, donc elle est disponible dès aujourd'hui ainsi que de nouveaux véhicules, mais ça. On s'en fiche. Donc on va l'engager pour 100 000 dollars. The Black Madonna. Donc c'est une femme. Et c'est la seule femme DJ que nous avons dans ce DLC. J'ai écouté toutes les musiques des garçons. C'était plutôt pas mal dans l'ensemble. Mais là je vais écouter un petit peu musique de la fille. Ah, c'est musique qu'on a eu dans le trailer là. Dans le teaser plutôt. Ça fait... Ouh, ouh, ouh. Bon, bref, c'est chelou. Je sais pas si vous entendez. Mais on va l'engager. C'est parti. J'ai hâte de découvrir la mission que Rockstar nous a préparée pour ce DJ. J'espère que ce sera un peu plus farfelu que les trois précédentes. Déjà que la première était très farfelue. La deuxième était sympa aussi. J'espère que... Alors, cette fois-ci, on va pas raccrocher au nez. Comment ça? Elle a fait des bêtises avec la police, genre? Ok, il faut que je retrouve à l'héliport. Donc apparemment Black Madonna a des embrouilles, des problèmes avec la police. LSPD, c'est la police. Je sais pas ce qui va se passer là. Vraiment, je suis sous le choc, je comprends pas trop. Donc Dave Langley m'a appelé, il est déjà à l'héliport. Donc on est arrivé. Il m'a fait descendre. Monter dans le cargo bob. Oh là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là, je suis pas en confiance là. Come on! Qu'est-ce qu'il fait? Il a l'air. Waouh, allez, hop, on y va. Hein. Donc pas de temps à perdre avec lui, c'est parti. Non, vraiment, je sais pas ce que ça va donner. Pourquoi on a besoin d'un cargo bob? Ne me dites pas que c'est parce qu'elle est trop lourde. Oh non, les bâtards disaient ça. Non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. Je vois, y a un, il se marre à côté de moi parce que je viens de dire ça. Bref. Ok, donc je vais déployer le truc là. Je vous laisse lire. Il me regardait. Oh, il fait peur avec ses lunettes bleues. Bleu fluo. Ah, c'est elle qui parle! Ils veulent la mettre en prison! C'est fini les négociations. On va voir ce qu'on peut faire. Genre, elle a des embrouilles avec la police. Donc, qu'est-ce qu'elle fout dans la zone industrielle? Genre, c'est pas le meilleur endroit pour aller quand on est DJ. Alors, aller chercher The Black Madonna à la rave party. Regardez. Ah ouais. Ne me dites pas qu'il... Putain, il y a plein de flics et il y a... Waouh! Ah ok, donc c'est la voiture. Je viens de voir le petit truc bleu qui clignote au-dessus. Ok. Quoi? Récupérer la voiture de police? J'ai 2 étoiles. Oh, il me tire dessus, il me tire dessus! Vite, 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 vite! C'est bon, je l'ai. J'ai tapé un flic, ça fait exprès. Ne me dites pas qu'elle est dans la voiture, genre. Non, c'est pas possible. Si, si. Je crois que j'ai vu une tête blonde. Ah oui, elle est là. Il y a un flic avec elle. Je la vois. Oh, j'aimerais trop voir. Attendez, je vais juste enregistrer une scène pour voir un peu ce qui se passe dans la voiture parce que j'aimerais bien voir. Dites à vos associés de nous reposer. Elle a rien à faire dans cette histoire, bah bien sûr. Putain, j'aimerais bien voir ce qui se passe. Je vois qu'elle est avec un monsieur. Putain, mais la connerie qu'on vient de faire, quoi. Pour engager un DJ, on est obligé d'aller voler une voiture de police. Avec bah, le DJ dedans. Oh, ok, on a perdu les étoiles. Pourtant, il y a encore un flic dans la voiture.
Je vois le flic qui bouge un petit peu. Je vois les pixels. Mais c'est chelou en fait. Coucou. Ah merde, faut aller à l'héliport. Ah, le flic me gerbe dessus genre. Oh putain, la voiture comme elle balance. Elle doit avoir peur, Black Madonna là-dedans. Putain. Oh, j'ai hâte de voir. J'espère que sa musique en vaut le détour, parce que quand même faire tout ça pour appuyer sur pour détacher la voiture. Donc on va la détacher quand même. Ok, c'est bon. Ok, on se pose tout tranquillement. Pourquoi je suis pas sorti par la porte? Attendez, elle est là! On la voit, la petite tête blonde, elle fait peur. Oh, en plus, il pleut, genre ça fait pas très beau. Hein. Ah, enfin, genre, c'est le seul DJ qui fait attention à moi quand même. Ah, il y a le flic qui sort. C'est un état d'arrestation. Tue-le. Il a pris son flingue. Oh! Let's go, t'as des disques! Oh là là! Oh, je suis gentleman en plus, j'ai fermé la porte de madame! Putain, mais waouh, elle est. Je pensais pas qu'elle allait foutre une pêche! Ah, oh, sympa, vraiment! Vraiment, petite mission géniale! Hein. Je suis hyper heureux de l'avoir engagée! Hein. Alors, moi, j'ai envie de dire, j'ai bien envie de vous dire, les amis, c'est la mission la plus farfelue qu'on a eue avec ce DLC boîte de nuit! Oh, elle fait peur, on dirait un enfant! Sa tête elle est mal faite là un peu. Parce que j'ai regardé sa tête dans la vraie vie, rien à voir. Je me suis renseigné. Ok. Ok, on est déjà arrivé donc c'était plus rapide, plutôt rapide. Ah, je me demandais qu'est-ce que c'était que ce véhicule personnel, et ben c'est ma Revolter. Elle est très très belle, hein. Véhicule qu'on a eu gratuit si on était sur la liste des invités. Donc c'est parti, on est arrivé. On sort. Avec ses petites lunettes là, The Black Madonna, elle est sympa. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, elle a un plutôt gros fessier. Hein. Je suis. Waouh. Choqué. Alors est-ce qu'il va y avoir une cinématique genre différente Parce que là ils vont échanger les places de DJ, mais est-ce qu'il y a une cinématique en plus vu que c'est le dernier DJ? Ok, donc là ils échangent, ok. Dites-moi qu'il y a une cinématique de fin quoi. Parce que c'est quand même le dernier DJ, il faudrait peut-être fêter ça quoi, il n'y en a plus après. Ok. Ok bah non, il n'y a pas de cinématique. Ok, ça commence. Oh les couleurs c'est beau. Le rose, le bleu turquoise et le jaune. Ok, donc elle c'est plutôt ouais, style féminin, genre on entend des voix de femmes dans ses... Ok, donc j'ai débloqué son t-shirt Madonna étoilée. Black Madonna étoilée. Et du coup, oui, donc je vous ai peut-être pas montré, mais maintenant ma popularité était au max, avant elle était au plus bas. Donc c'est parti, on va aller voir ce que ça donne le petit... Ah ouais, ouais, la musique elle est bizarre, c'est très... On entend des femmes qui crient un peu, enfin qui... Ah oui, oui. Ah, ça crie. Des filles qui font... Non, 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 non. Bref, la popularité automax, tant mieux. Ça m'arrange. On voit qu'en une semaine, ça a bien le temps de descendre. Du coup, parce que chaque semaine, il y a eu les nouveaux DJ, et là, il n'y en aura plus. Donc, je sais pas comment je vais faire pour garder ma popularité au max. Sachant que je fais rien de. Je fais aucune mission avec la boîte de nuit donc. Oh! Aux spéciaux! Boîte de nuit!
Il y a toujours rien, donc ouais, je vois pas pourquoi il y a une étoile. DJ. Donc on a Solomon, qu'on a eu en premier. Après, on a eu Tall of Us. Après, on a eu Dixon, répété. Et maintenant, le dernier, attention, je sais pas du tout ce qu'il donne. C'est tout! Ouais, Solomon, il y a marqué Solomon. Tall of Us, il y a marqué Tall of Us. Dixon, il y a marqué Dixon. Et The Black Madonna, il y a une étoile. Bon, ça peut faire un joli t-shirt, je dis pas. Mais vraiment, je pense qu'ils auraient pu marquer The Black Madonna. Alors là, ça fait nul un peu. Genre, à quel moment là, tu te dis, ah ouais, ça signifie The Black Madonna? À quel moment tu relis les deux? Enfin, je vois pas. Du coup, maintenant, il n'y a, bah, je vais vous montrer, il n'y a plus de DJ disponible à l'engagement. DJ résident, voilà. Donc on peut juste réengager les DJ pour 10 000 dollars. Mais ouais, après apparemment il n'y en a plus. Vu que je peux pas descendre de page, je peux pas aller plus bas, donc c'est 4 maxi. Donc voilà, c'était une mission vraiment pas mal, elle est largement mieux que toutes les autres. C'était bien d'aller chercher la DJ à son lieu d'arrestation pour la sortir de la mouise. Et là, les policiers doivent la chercher, genre ils doivent se dire, mais où est-ce qu'elle est? Mais forcément, on sait que les policiers dans le GTA ils sont un peu bêtes. Du coup, ils penseront jamais à aller dans ma boîte de nuit, hein, c'est sûr. Ça, c'est sûr, elle est recherchée par tous les flics de la ville, mais jamais ils viendront ici, hein. C'est. Bon, ils sont pas très malins, on va dire. Ah, y a Laszlo qui danse là-bas. Il a pris la place des danseurs. Bah, à quoi ça sert que je paye des danseurs s'il y a Laszlo? Ok. Dites-moi qui a lié l'autre là. Oui. Donc voilà, c'était tout pour la petite mission. On a débloqué son petit t-shirt. Qui est pas franchement génial. Et wow. Ah oui. Je pensais que c'était pour ça le cargo Bob. Oh non, je suis un bâtard, ça se fait pas. Non, vraiment. Je vais attendre d'écouter sa musique avec plaisir. Je vais essayer de passer un peu plus de temps dans la boîte de nuit, hein, pour écouter un peu toutes les musiques. Mais pour l'instant, ma préférée, ouais, bon, celle-là, j'ai pas encore découvert, mais pour l'instant, ma préférée, c'est Dixon. Après Tale of Us et Solomon. Donc je pense qu'elle doit être la meilleure vu qu'elle est en dernier. Donc je sais pas. En tout cas, c'est vraiment pas mal. J'aime bien le style d'éclairage, les couleurs, c'est beau. Dixon, c'était plus dans les tons vert, c'est tout. Tale of Us, c'était plus plein de couleurs un peu. Et elle, c'est beau, hein. Ça fait un peu genre turquoise, tout ce qui est beau là. Ah ouais, il y a des lumières jaunes maintenant. Et c'est sympa, vraiment. Dites-moi ce que vous en avez pensé. On va se mettre à danser derrière elle. Ah, il y a Tony. Tony, ouais. Putain, il est chaud, hein. C'est parti. Donc en tout. Oh, j'ai débloqué un truc, attendez. J'ai débloqué quoi là? Je sais pas ce que j'ai débloqué, mais. Elle est juste là! Elle s'éclate à fond, elle. Pourquoi elle parle? Allez là, voilà. Là on la voit bien, c'est pas mal, on me voit derrière aussi. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je mets la. Je me suis un peu dépêché aujourd'hui pour cette vidéo parce que dans quelques heures je pars en vacances à la mer, donc je serai pas là pendant un peu plus d'une semaine. Donc voilà, vous inquiétez pas, il y a des vidéos qui arrivent. Surtout beaucoup de vidéos Fortnite, vu que je sais que pas mal de gens aiment. Il y aura beaucoup de vidéos Fortnite. J'en vais mettre une tous les 2 jours. Donc celle-là sortira sûrement mercredi. Et vendredi et dimanche, vous aurez des vidéos. Je vais essayer d'en mettre une aussi pour bah, du coup pour mardi prochain. Parce que le jour où je fais cette vidéo, bah, on est mardi, hein. C'est le jour où The Black Madonna est sorti. Ouais, elle prend un éventail! Oh, trop stylé! Waouh! J'avais remarqué aussi Salomon, il buvait un verre de vin de temps en temps. Et elle prend un éventail. Oh, vraiment, c'est grave stylé. Oh, je pense que je vais la garder, c'est sympa. Ah ouais, c'est vraiment, vraiment, j'aime bien. Sa musique est pas mal. Et vraiment, ouais, ça donne. Ça donne du dance floor à l'événement. Ah, Tony derrière, il danse.
Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que le t-shirt vous plaît. Moi, je suis un peu déçu parce que je voulais qu'il y ait marqué, je voulais que le The Black Madonna soit inscrit sur le t-shirt, mais bon. Tant pis, on a juste une petite étoile un peu bizarre. Ça peut faire un t-shirt assez simple, genre qu'on pourrait mettre un peu tous les jours. Hein. Mais ouais, je suis un peu déçu. J'aurais préféré qu'il y ait marqué The Black Madonna. Bien qu'il soit beau, hein. Il est beau, y a rien à dire. Et au pire, ils auraient pu donner The Black Madonna et lui après. Je sais pas, mais. Ou les deux. Parce que c'est toujours mieux. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu. La petite mission, moi, elle m'a bien plu. Et j'espère que ça vous aura plu, parce que j'ai oublié de le dire. Eh oui, je sais qu'il y a des. Il y a des manchots marocains qui nous regardent, donc je sais pas pourquoi je dis manchots, mais ouais. Je dis nain tout le temps, donc. Et aussi, il y a des australopithèques allemands qui nous regardent, donc ça, faut. Merci à vous, les gars. Ça veut rien dire ce que je dis, mais. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, la petite mission. Moi, je l'ai trouvée géniale. Meilleure que les autres, meilleure que les précédentes. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner. Ah, j'ai entendu Bugatti. Dans sa musique, à un moment, il y a un mec qui dit Bugatti. Ok. Elle crie des fois, j'entends parler, Black Bastada. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à me dire si ça vous a plu. Et il a encore dit Bugatti. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Et ciao! Ah, je sais pourquoi elle met son éventail. C'est parce qu'elle enflamme tellement le dance floor que elle veut montrer qu'elle va qu'il faut quand même se calmer parce que là, oulala, 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 oulala.